Hier soir, la piscine à Roubaix recevait la 20e édition des Victoires des autodidactes. Créée par des élèves de Harvard, ce concours est la preuve que l'on peut réussir sans diplôme. Seul le travail et la passion comptent. Les Victoires des autodidactes distinguent des dirigeants qui n'ont pas le bac et qui sont pourtant devenus des chefs d'entreprise accomplis. Hier, Marc Merin, chef au château de Beaulieu, a reçu le prix coup de cœur. J'ai eu un bagage minimum durant quelques années qui permettait quand même d'avoir une base. Et puis après, bon ben c'est un petit peu l'école de la vie qui fait ce qu'on devient, hein. C'est la passion, c'est le travail, c'est beaucoup regarder, beaucoup apprendre. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui nous forge un petit peu. Donc pour moi, ce prix aujourd'hui, quelque chose de relativement important qui prouve que sans avoir trop beaucoup, trop de bagages ou très peu de bagages, on arrive quand même à s'en sortir.